matin officiellement. Ça a été vraiment que je vous dise le bon matin parce que c'était le bordel à la maison ce matin. Alors, aujourd'hui, on va bruncher, Max et moi. On avait eu un truc comme ça, là, Twango, pour aller au bâtiment B à Noël. Donc, là, on était comme en attente si Eléa allait mieux, mais... Elle a vraiment l'air d'aller mieux, juste encore sinueuse, puis elle fait pas plus de température. Donc, moi qui avais peur que ça soit l'influenza. Il faut aller acheter la lumière pour la chambre de bébé. On aimerait ça redonner une autre couche avant de mettre le verre forêt. Faut que j'aille me racheter. Tu sais, je vous disais cette semaine que j'avais plus de fond de teint. Puis à chaque fois, j'oublie d'aller en acheter. Puis je m'en rends compte le matin parce que je gratte le fond, tu sais. Puis pour ceux qui me suivent depuis peu, pour mes rouges à lèvres, là, j'ai mis mon préféré aujourd'hui. On dirait que quand je mets du rouge à lèvres, j'ai l'air moins fatiguée. C'est le Sassy Z. C'est un rouge à lèvres 24 heures, donc j'ai même pas d'affaire à l'amener. Et il t'offre toute la journée. Je vais vous mettre le lien de celle qui m'est ma fournisseuse. Bref, je vais vous mettre en barre info. Maxime est prête avec sa casquette Levi's. Et là, on va porter... Go! Ça veut dire qu'on est en retard parce que j'ai pris le temps de me préparer un matin. Fait que je vais amener mon fond de teint. Oups! Mon fond de teint parce que je sais jamais... Comme je disais l'autre fois aussi, je vais prendre une teinte plus pâle, je pense. Parce que là, même moi, quand je regarde mes vidéos, je suis comme... Il me semble qu'il est trop foncé. Fait que je vais apporter mon cercle cadeau. Et on va aller porter les filles, on va aller déjeuner! Bien. Léa, est-ce que tu fais encore de la fièvre, toi? Hein? Non? Toi, tu t'habitues? Petit update, il est rendu 11h20. On a eu le temps de faire quand même plein de trucs. Ça a tellement été rapide au resto. Vous avez vu, c'était tellement bon. C'était comme un peu des pics assiettes, là. Avec, c'est quoi qu'il y avait? Il y avait comme omelette, bacon maison. Mon chum, il a pris des huîtres aussi. Gros jugement de ma part, des huîtres le matin. Mais lui, je pense qu'il mangerait ça matin, midi, soir. Ensuite, on est allé... On est allé où? On est allé Rona parce qu'on voulait acheter la lumière pour bébé. Puis vous avez vu, on a pris la blanche avec les billes. Dans la chambre, on s'est dit « Oh my God, j'espère que les billes sont comme déjà mis dedans. Sinon, on va faire du bricolage cet après-midi. » Bref, j'espère que c'est au moins un minimum monté parce que la boîte est quand même petite, donc ça fait peur. On dirait une lumière qui est... Donc ça, on a été aussi au Jean Coutu. Puis j'ai racheté, comme je vous disais, le... Fit Me, Maybelline, mais le 112. Puis mon chum, il demande à la fille, il dit, j'aimerais ça avoir de quoi pour en dessous des yeux. Hey, sérieux, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez comment que j'ai plein de produits. Karine Jonka, puis moi, je capote dessus. Je suis comme, t'as juste à ouvrir mon tiroir, puis ils sont toutes là. C'est comme, ah ouais, c'est pour moi aussi. Comme si les hommes puis les femmes, ça changeait de quoi, tu sais. Donc, peut-être que cet après-midi, si on a le temps, on va se refaire les patchs ou un masque. J'ai comme un masque... qui est pour ça, là, la peau est fatiguée. Les personnes fatiguées, bref. Alors là, on s'en va chercher les poules. Mais avant, je pense qu'on va faire un arrêt vite à l'épicerie. Ça a tellement été rapide au resto que, tu sais, c'est ma mère qui les garde. Puis jusqu'à temps qu'elle écoute mon vlog, elle ne saura pas qu'on a eu le temps de faire des commissions. Là, on en profite. On s'est parké aussi dans un... C'est très drôle parce qu'à l'île des Moulins, on disait que... Parce qu'on est allé manger au bâtiment B, c'est à l'île des Moulins. Regardez comment il est chaud. Je suis en train de dire que t'es un chaud lapin. De même. À l'île des Moulins, on se disait que je pense que j'avais jamais utilisé les parkings de femmes enceintes là, ou de famille. Puis en arrivant au Rona, je vous ai filmé, il y avait un parking libre juste à côté. Donc on l'a pris, on se l'est permis. Alors là, arrêt à l'épicerie parce que pour souper, on va manger des petits fajitas. Puis on aimerait ça s'entraîner aussi. Je sais pas, je pense que ça fait une semaine que je dis ça tous les jours, puis finalement, je le fais pas. Mais Maxime, il veut s'entraîner aussi. Il dit qu'il a besoin de faire des abdos. Hein, Max?
Oui. Parce qu'hier, on a mangé de la tarte au sucre en plus comme dessert. C'était vraiment bon. Alors, c'est ça. On va chercher les poules, puis après, on va aller. Quoi? Ben, les poules ne sont pas dans la bonne voie. Au lieu de tourner, continue. Ben, les pancartes, le cœur. C'est ça. Ils vont te trouver tellement violent à chaque fois que tu es au volant du sac. Ouais, c'est pas compliqué de regarder la pancarte. Faut que tu tournes à droite quand tu es dans la voie de droite, quand tu es dans la voie du centre, c'est pour continuer. Ceux qui ne connaissent pas, ils n'ont pas les nerfs comme ça d'habitude. Mais... En tout cas. Alors, c'est ça. On va aller chercher les filles, aller au GA, chercher les filles, puis après ça, essayer de les coucher. Les faire dîner, les coucher, puis on va voir ce qu'on peut faire si on a le temps de peinturer, de s'entraîner. De faire du ménage, faire une grosse liste. Faire vérifier les changeurs d'air. Faire vérifier. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il faut faire vérifier les changeurs d'air pour le plugger. Mais je comprends pas, mais il dit que ça va nous coûter moins cher. On a une perte de chaleur parce que les tuyaux sont pas pluggés, fait que la chaleur s'en va dans le grenier. C'est qui le câble? Fait que c'est nous autres les câbles qui payent trop cher l'électricité, pareil, puis ça donne que mon beau-frère il est frigoriste. Expert frigoriste avec une mineure en. Frère Blanterie, donc qui est capable de faire des échangeurs d'or. C'est ça, on est bien entouré. Alors, on se jase plus tard. Elle nous a interrompu dans notre training. On a fait le fitness blend. C'est-tu Bender ou Blender? Blender. Max, as-tu trouvé ça difficile? Quand même. Non, il a rushé pour vrai. Mais je le conseille pas full à des femmes enceintes parce que. Ben lui qu'on a fait en tout cas là, on a fait le toning. C'est quoi, B? Comment ça s'appelait? HIIT plus body toning total. Toning, c'est ça, de ne pas faire cela parce qu'il y avait plein de burpees puis de trucs que les femmes enceintes, c'est vraiment, ben, je veux dire, vous avez le droit de le faire, mais c'est vraiment compliqué avec la grosse bedaine de presque 35 semaines. Donc, j'ai remplacé par des trucs, mais si, de toute façon, si vous entraînez pas, commencez pas en grossesse, c'est juste si vous entraînez avant, si vous voulez continuer à vous entraîner à la maison, c'est quand même bien, mais il faut que vous sachiez les adapter selon la grosse bedaine. Là, j'ai eu le temps de plier mon linge. On dirait qu'il n'est pas plié, mais il est plié, non? Je pense que soit je vais prendre ma douche ou prendre le temps de prendre un bain vu que Zuzu, elle écoute le hockey avec son papa puis qu'il les adore encore. Puis, tu voulais-tu des patchs, toi, B? Tu voulais-tu faire tes patchs?
Hein, B? Et on va aller dans la douche. Ah, bon, mais Zouzou va aller dans la douche avec papa. Moi, je vais peut-être prendre un bain. Puis après, on va peut-être mettre nos patchs pour personne qui dort peu. Alors, c'est ça, hein, Zouzounette? Faut aller dans la douche, toi? Oui. Et comme je vous ai montré, là, finalement, le luminaire est tout monté. Fait qu'on a juste à l'installer. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Le chèque à papa, il a revolé? Oh, Zouzou est comme dans une période qu'elle découvre notre corps. Fait que quand Max est tout nu, ben, il se fait jouer. C'est quoi, elle fait? Elle pince? Elle pince le bout. Puis moi, elle me pince les mamelons, c'est très drôle. Mais c'est drôle, mais en tout cas, on dit d'arrêter, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est ça, moi, on va aller toutes se laver, hein? On va toutes se mettre propre. Ça va faire un petit masque? Non, les filles n'aiment pas ça quand on fait des masques complets, ils ont peur. Puis. On va se revoir. Elle fait full pitié. À babou. Trop drôle. Je sais pas si je peux zoomer. Non, je peux pas zoomer en tout cas. Donc, c'est ça. Nous, on va se jaser plus tard. Ta recette? Maxime? Pardon? Maxime, c'est ta recette? Recette de guacamole. Guacamole de Maxime? Oui. En fait, c'est. 4 avocats? 4. C'est marqué 4? Non, c'est quatre. Moi qui l'ai inventé la recette. Ok. 4 avocats mûrs? Oui, bien mûrs, sinon on s'en fait une drôle de guacamole, hein? On s'entend? Équivalent de 2 limes en jus ou un citron. C'est comme un peu, c'est ça que Ricardo il écrit sur sa recette. Fait que c'est pas la recette, recette de Ricardo. Après. Après, on peut mettre ce qu'on veut à peu près dedans. Échalot français, comme on va mettre. Mais t'as pas de tomates, là. Oui, j'ai des tomates, j'ai acheté des tomates. Tu prends une semaine de tomates et tout. Des tomates, un peu de tomates dedans. Échalote française. Échalote française. Sel et poivre. Puis après ça, on peut y aller dans. Tu sais, on peut mettre un peu de sauce aussi chayeux dedans avec du tabasco. Ça ah, fait... ouais? Ouais, après ça, on peut mettre un peu de salsa piquante aussi, ça donne un côté piquant. Un peu de sauce sriracha aussi, ça donne un côté piquant. Ou la garder de base, comme ça, on mélange. Pas besoin de mettre d'huile, on rajoute de l'huile là-dedans, ben trop là. Wow! Alors, comme je dis, 5 heures. Tantôt, ma soeur et son chum sont venus parce que, comme je vous disais, mon beau-frère fallait qu'il regarde pour l'échange d'heures. Finalement, mon chum me dit que ça va marcher. Donc, on est supposé économiser des sous. Hein, c'est ça? Ouais, mais après, il faut isoler le sous-sol, puis mettre l'échangeur d'air, puis c'est ça. Fait que ça va nous coûter moins cher d'électricité. J'ai pris mon bain tantôt. Vite. C'est cool. Ouais, ça fait du bien. J'ai tout fini le lavage, puis là, Maxime m'a fait. Tout le lavage. J'ai tout fini le pliage, donc vous savez, les mômes, c'est rare que tout le lavage est à jour. Je suis bien contente pour un dimanche. Puis Max m'a fait peur en me disant qu'il avait pas mis son linge de job dedans. Mais c'est pas vrai, je l'ai lavé aussi. Alors là, j'écoute la série qu'hier, je me suis endormie dessus. Appelle-moi, c'est quoi? Appelle-moi si tu meurs, la série avec Claude Legault. Max, il y en a... un vrai cook! Alors, c'est ça, je me suis endormie dessus. Puis Max a eu le temps d'en écouter un et demi. Puis. Pour vrai, je pense que je l'ai parti, puis le générique était même pas fini, puis je me suis endormie, là. J'étais vraiment brûlée. Surtout quand on l'écoute dans le lit, tu sais. Ça. Sérieux, ça a vraiment l'air bon. Donc, c'est ça. Nous, on finit de préparer. Ben, Maxime finit de préparer les fajitas, la guacamole, couper les. Parce qu'il faut faire cuire les piments aussi, ben, hein, puis les oignons. En tout cas, bref. Alors, c'est ça, je vais continuer d'aller écouter. Non? Les fighters, moi, je mets des oignons avec les. Ah, bon, salut! On va faire ce qu'on a. Hey, salut! Hey, hello, my friend! Hey, c'est quoi ça? C'est une guacamole! Alors, je vais essayer d'aller finir mon émission, mais vu que les filles sont montées, c'est pas sûr que je vais être capable. Alors, on va se rejaser sûrement plus tard, après le souper ou après avoir. Coucher les petites poules. Hein, les filles?
Ça a l'air bon? À plus tard. Il est rendu 7h15. On vient de coucher les filles. Et en fait, non, ça fait 15 minutes. Et on n'arrête pas d'aller se relever parce qu'ils n'arrêtent pas de se lever, donc on va les chicaner. Ah, les dodos! Nous, on s'est mis la voix. Puis je vais fermer mon vlog ici parce qu'après ça, on va prendre ce relax puis se coucher. Et nous, on va se revoir demain. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine!